scène du crime, j'ai retiré tout ça. Tout ça. Mon Dieu. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit vlog où je vais peut-être réaliser une catastrophe, on ne sait pas. Puisque aujourd'hui pour moi c'est une journée assez chargée puisque cet après-midi je vais faire une formation de massage pour chevaux. Et hier avec vous on a sautillé un petit peu, je vous ai partagé ça sur Instagram. Et aujourd'hui journée repos pour lui et je vais lui faire des soins. Notamment un soin entre guillemets que je ne lui ai pas fait depuis très longtemps, c'est-à-dire couper sa crinière. Puisque quand Vian a fait ses ulcères, c'était une période où il avait la crinière un peu longue. Et je me suis dit, bon bah allez, on va laisser pousser parce que de toute façon, il est au repos et tout. Et j'avais envie de tester. Mais là, Spirit les talons des plaines, c'est bon. C'est un chapitre qu'on va refermer. On reprend l'équitation vraiment et j'ai envie de lui refaire une crinière de sport. Donc là je vais couper, sachant qu'il ne supporte pas qu'on la fasse au peigne. Donc je vais la faire au ciseau et je suis pas très forte. Donc on va voir ce que ça donne. Coucou ma beauté. Tiens, carotte, l'offrande. Donc Vlin a un petit peu maigri là parce qu'il a fait très 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 chaud dans la région. Les températures sont montées à plus de 30 degrés assez rapidement. Donc il a un peu perdu là mais je lui ai acheté du mâche pour refaire regrossir tout ça. Voilà la crinière à laquelle on va s'attaquer aujourd'hui. Alors avant toute chose je vais lui graisser les pieds comme ça. Bah, ça aura bien le temps de pénétrer dans la corne. Et également je vais lui faire un gros pansage parce qu'on filme et que c'est mieux d'avoir un cheval BG quand on tourne une vidéo que un cheval tout sale. Merci Lorraine pour cette précision. Alors, on ne voit rien. Blanc, pousse-toi. Voilà, oh. Super, bouge plus. Ah, le travail à pied, c'est trop utile. Voilà la crinière. Tu veux pas mettre tes oreilles en avant pour qu'on fasse une belle photo? Oh là là, super. Parfait. Maintenant, tu nous regardes? Blanc? Oui, monte ton toupet. Voilà. Oh là là. Mais quel cheval de photo. Enfin, incroyable, ça. C'est pareil, sa queue, là. Bon. Je pense que j'ai pas assez de profondeur en fait pour faire un plan de loin. Il faudrait que je le fasse reculer. Là et là. C'est ce qu'on a travaillé hier en travail à pied en plus. Oh oh, c'est bon, parfait. Bouge plus. Non, non, bouge plus. Regarde là-bas. Un modèle photo le truc. Et les oreilles en avant. Ouais. Ok, bon, vous avez compris le truc, quoi. Ensuite, je vais lui donner une petite pomme. Ça, c'est vraiment juste parce que j'ai envie, quoi. Blanc. Tiens, là-bas. Et maintenant, on est parti pour le moment décisif. Faudrait qu'il tourne sa tête de l'autre côté pour qu'on puisse voir. Je vais essayer de faire ça. Bon, là, je vous avoue que j'ai super peur. Vous avez vu la longueur de cette crinière? Elle arrive jusque là. J'arrive pas à me mettre le premier coup de ciseau. Ça va être horrible, ça va faire un trou. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Ah, faudrait que je les garde ces crins là. J'ai déjà plein de crins de blanc que je garde. Je sais pas pourquoi.
Oh mon Dieu. Allez, on continue. Moi, ce que je kiffe trop comme crinière, ce que j'aimerais avoir, c'est une crinière un peu comme il a, Hypercute. Mais il a la crinière vachement plus épaisse que Blanche, je pense. Elle remonte comme ça, c'est trop beau, j'aime trop. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Mon pauvre cheval! Maintenant qu'on a fait un truc à peu près moche, parce que de toute façon je sais pas faire les crinières, je vais essayer de récupérer un peu le truc. Avoir un peu moins de traces. Mais en fait, je me rends compte que j'ai pas du tout coupé droit. Je me suis tellement mis la pression que j'ai fait n'importe quoi. Sais vraiment pas faire des crinières, c'est un truc de. C'est un truc où je sais vraiment pas les faire. En plus, avec mes ciseaux de CP là, je les ai vraiment eu en école maternelle ou au CP, je sais plus. Après, il va falloir que je mette un petit coup dans son toupet. Et là, j'avoue que ça me fait un peu plus peur. Parce que si je rate le toupet, parce que je l'ai déjà raté une fois et oh, ça m'a dû pas repousser quand même. Bon bah moi qui voulais une crinière très courte, je suis servie. Je vais essayer de prendre du recul pour voir ce que ça donne. Bah il a plus à poil sur le caillou, hein. Doudou. T'as plus à poil sur le caillou? Bon la queue je l'ai fait un petit peu courte mais ça va. Et vas-y regarde de l'autre côté pour voir. Regarde là-bas. Ah ouais. Ah ouais, ça change, hein. Ah ouais, ça change, hein. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que j'ai ruiné ta crinière ou pas? En soi, moi, j'aime bien quand elles sont bien courtes. Parce que ça va ressortir l'encolure et en plus, comme ça, il aura moins chaud. Mais du coup, il y a courte et bien faite et courte et mal faite, quoi. Et moi, je sais que les crinières, c'est pas trop mon truc. Scène du crime. J'ai retiré tout ça. Tout ça. Mon Dieu. C'était beau. C'était beau. Bon voilà, je vais pas plus l'embêter que ça pour aujourd'hui. Là, je vais le ramener à son pré et je vais lui mettre des électrolytes un peu dans son eau. Parce que bah voilà, en ce moment il fait chaud. Ah mon pony blanc. Allez, viens. Allez! Allez, viens, please! C'est bien! Du coup, je disais, il fait chaud en ce moment-là et je pense que ça ne peut pas lui faire de mal d'avoir un petit soutien au niveau des minéraux. Parce que vous avez vu, il a maigri un petit peu. Non, viens là! Il faut que je me connecte un peu à lui. Viens! Non, raté! Raté! Allez! Oh, pas. Ok, c'est bien ça. Oh. J'aime bien le ramener en mode liberté comme ça. C'est l'heure du goûter. Yeah. Hop et voilà. Voilà. Au revoir mon doudou, bon appétit. Bon voilà, du coup rien d'autre de ouf dans ce vlog parce que j'ai pas le temps de faire une séance avec Vlan et puis de toute façon là c'est son jour de repos. Je voulais quand même partager ça avec vous parce que je savais que ça allait être fameux. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez parce que j'arrive pas à me décider si je l'ai vraiment raté ou si ça va. Sachant que là de toute façon je vais laisser la crinière se placer et demain je ferai les petites retouches pour que ce soit bien droit partout etc. Quoi qu'il arrive j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!